Hello, hello tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'enseigne Saga. J'ai été contactée par mail par une personne qui s'occupe de tout ce qui est communication sur internet pour l'enseigne Saga. Et elle m'a proposé de recevoir une box avec plein de produits à l'intérieur, ce que j'ai bien sûr accepté. Parce que j'en entends beaucoup parler de cette enseigne Saga Cosmetics et ça a attisé ma curiosité. Sachant que pour celles qui ne connaissent pas Saga Cosmetics, c'est une enseigne de magasin. Il y a plus de 40 magasins en France et à La Réunion. Et en fait, c'est une enseigne qui propose des produits de marque à prix cassé. Les stocks, en fait, proviennent de produits qui ont changé packaging, qui ne se font plus ou qui ne vont plus se faire ou qui ont des erreurs d'étiquetage. Enfin bon. Et du coup, vous avez des produits de grandes marques, de marques très connues, à prix très très intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter cette marque-là. Si vous avez la chance d'avoir un magasin Saga à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que c'est hyper intéressant. Moi, je sais qu'il y en a un à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Le plus proche de chez moi, c'est celui-ci. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez un Saga près de chez vous, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est très intéressant. Notamment si apparemment vous avez la carte S, j'ai regardé un petit peu sur le site pour voir les avantages, et cette carte S vous donne droit à des produits en promotion, 3 produits par semaine en promotion à des prix privilégiés, des ventes privées, des choses comme ça. Donc en plus, si vous avez la carte de fidélité qui est gratuite et non limitée dans le temps, vous avez des promotions en plus. Donc je pense que c'est vraiment une enseigne qui gagne à être connue, parce que ça peut être très intéressant au niveau des produits qu'ils proposent, sachant que vous n'avez pas que du maquillage, vous avez tout ce qui est pour les cheveux, le corps, des parfums, vous avez vraiment de tout ce qui a trait à la beauté, des accessoires. Donc voilà, donc c'est parti, j'ai trop hâte d'ouvrir le carton parce qu'il est juste énorme. Je vous montre la bête. Elle est très très lourde, j'ai vraiment hâte d'ouvrir et je vous montre ça tout de suite. Alors, il y a un petit papier de soie et vous avez un petit carnet comme ceci avec la présentation de l'enseigne. Avec 500 marques de produits cosmétiques à petit prix, 5000 références, enfin, des marques en exclusivité, etc. On peut réserver aussi sur internet et venir retirer en magasin. Donc ça, je trouve ça super pratique. Donc voilà, la carte S. Obtenez votre carte S et bénéficiez de 3 produits de marque par semaine à prix cassé. Une sélection de produits à tout petit prix, des promotions exclusives sur des produits de marque et d'un accès unique à des ventes privées et autres événements. Elle est gratuite, sans limite de temps. Elle est balisée par des étiquettes roses en magasin, sauf en privé, et valable immédiatement dans tous les magasins de France métropolitaine, hors magasin de la Réunion. Très bien, en fait, c'est vraiment comme une box de produits qu'on reçoit, vous savez, les box à laquelle on s'abonne, exclusivement, forcément, pour les influenceuses, mais ça fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous avez un petit livret avec tous les soins où on vous parle des produits détaillés, en fait. Des tatous. Comme ceci, une petite planche de tatou éphémère. Donc voilà, ça sera pour l'été parce que pour l'instant, je les utilise pas trop. Alors, je pioche au fur et à mesure. Donc ici, j'ai un recouvre-cils de la marque Axe avec deux petits patins. Je sais pas comment on appelle ça. Donc normalement, le prix habituellement constaté de ce recouvre-cils est de 7 €. C'est de la marque Axe et dans les magasins Saga, ça coûte 4 €. Donc vous voyez, la différence de prix est assez conséquente. Ensuite, j'ai un eyeliner. Alors ça, c'est très bien parce que vous avez un pinceau ici. Donc c'est un eyeliner crème en peau de la marque Smoss New York. Donc ça, j'ai jamais entendu parler de cette marque-là et c'est très bien. Alors c'est un normalement c'est un eyeliner qui coûte 8 € normalement dans les commerces qui le proposent, et en fait le magasin Saga les propose à 4,50 €, donc c'est pas cher du tout. Je vous en donnerai de toute façon des nouvelles de tous ces produits là dans des pour donner mon avis après les avoir testés. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc sachant que c'est un tracé zéro défaut, perfect line. Est-ce que c'est waterproof? Je ne sais pas. À voir, je testerai et je vous en dirai des nouvelles, surtout que le pinceau m'a l'air vraiment pas mal parce qu'il a l'air vachement précis. Donc à voir. Ensuite, je pioche un rouge à lèvres. Donc vous avez du L'Oréal chez Saga, donc le L'Oréal Color Rich 132 Magnolia Irrévérent. Donc normalement, les Color Rich sont proposés au prix de 12 € dans le commerce et chez Saga c'est 5 €.
Donc là, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc ça, super, je suis très contente. Comme ça, je vais pouvoir le tester. Il me semble que dans mon swap avec Cindy, j'en avais eu un autre. Mais je pense pas que ce soit la même couleur. Là, il a l'air de flasher quand même au niveau de la couleur. Ça a l'air d'être un rose un peu bleuté. Ensuite, j'ai du NYX. Alors là, c'est super. NYX, donc c'est une ombre à paupières Smoky Mountain. Donc fard à paupières, donc normalement vendu 5 € dans le commerce. Et il est à 2,50 €. Donc vous faites 50% d'économie. Donc c'est une couleur kaki, c'est très joli. Alors c'est très tendance pour cet hiver. Donc ça, je suis ravie. Je vais pouvoir tester ces petites ombres à paupières. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a du pinceau. Alors c'est la même marque que le eyeliner. Donc c'est un pinceau Smoss. Hop, on va l'ouvrir. Elle est très rose. Ça, la couleur est très flashy. Il est extrêmement doux. Un pinceau poudre. Donc normalement, c'est vendu 12,90 € dans le commerce et là 8,50 €. Donc c'est un prix très correct pour un pinceau. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors c'est très bien parce que des pinceaux, finalement, on n'en a jamais assez pour tourner au niveau, pour les nettoyer, etc. Moi, je trouve que c'est bien d'en avoir au moins un double jeu en fait. Alors je vois ici donc de la marque Axe un Beauty Blender tout rose comme ceci. Alors à voir s'il gonfle avec l'humidité. En tout cas, la densité a l'air vraiment pas mal. Au niveau du tarif, on est à 4 € au lieu de 6,90 €. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous mettrai une annotation juste ici si ils gonflent ou pas avec l'eau. Oh, je suis très contente. Alors ça, je suis hyper contente parce que pour celles qui me suivent, j'avais acheté un lot de produits pour les cheveux Kardashian Beauty et j'en suis ravie, j'en avais presque plus. Et de cette huile-là, je n'avais eu qu'un échantillon et je dois avouer qu'elle est très très bien. C'est une huile pour les cheveux à mettre pour parfaire, pour parfaire le lissage, etc. Elle est très agréable et en fait, c'est à l'huile de sésame noir et je la trouve très très bien. Donc, je suis très contente. J'ai hâte de voir le prix qu'ils en proposent chez Saga. Donc, c'est du 89 millilitres. Normalement, elle est à 27 € et là, elle est à 12 € chez Saga. Donc, c'est hyper hyper intéressant. Ensuite, je pioche un énorme, c'est pour ça que la box était lourde, parce qu'il y a des gros gros trucs dedans, un énorme donc shampoing reconstructeur instantané pour cheveux très abîmés de la gamme L'Oréal Professionnel, gamme expert, donc c'est le Absolu Repair Lipidum. Donc celui-ci, normalement, est vendu dans le commerce à 20 € et là, il est à 15 € chez Saga. Donc c'est une petite économie, mais quand même assez conséquente, sachant que c'est un grand format de 500 millilitres. Vous en avez pour super longtemps. Donc ça aussi, je testerai parce que j'ai les cheveux effectivement abîmés, je ne sais pas. Mais comme ils sont décolorés, effectivement, ils ont toujours besoin d'être nourris et qu'on prenne soin d'eux. Donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai une ombre à paupières. Alors ça, c'est génial. Hop. Regardez-moi l'effet un petit peu métal de ce fard à paupières. Donc, il s'appelle le Wild Gold. C'est le... Ah non, c'est un highlighter! Ah! Mais c'est très joli. Ça peut être très sympa. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il est très joli. Il est très joli. Ensuite, je vais piocher une crème à l'huile d'argan hydratante de la marque Mercea. Je ne connais pas du tout. Alors, je pense que par contre, pour cette crème-là, je la mettrai plutôt le soir parce que je n'ai pas la peau sèche du tout. J'ai la peau. Par contre, j'ai la peau grasse, mais par contre, le prix est hyper intéressant. C'est une crème qui normalement vaut 23,90 € et qui est vendue chez Saka 8,50 €. Alors là, par contre, c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi pas du tout. Et là, alors là, je crois qu'il ne pouvait pas me faire plus plaisir qu'avec un vernis infaillible de chez L'Oréal. Alors ceux-là, je les adore et j'ai vraiment hâte de voir à combien ils les vendent. Parce que ce sont des vernis qui coûtent quand même assez cher et qui sont pas des grands formats en fait. Ça ne dure pas très longtemps. Et c'est vrai que comme ils coûtent cher. J'avais tendance à pas trop les acheter et là c'est hyper intéressant parce que normalement ça coûte 11 € et dans les magasins Saga ça coûte 6,50 € et je peux vous dire que ces vernis-là ils tiennent mais du feu de Dieu, c'est ceux qui tiennent le mieux sur mes ongles et pourtant Dieu sait que sur mes ongles rien ne tient. Et en plus ils ont un effet gel ultra brillant, ça reste brillant, ça tient génialement bien. Donc je suis super contente.
Et ils m'ont mis la teinte. Ça a l'air d'être un rouge un peu profond. C'est le Red Infaillible. Je suis ravie. Je suis très très contente. Voilà. Et en fait, vous voyez, c'est un vernis avec deux côtés. Donc, vous avez le côté coloré et le côté top coat pour faire tenir. Et il dit tenue 12 jours. Donc, pas sur moi forcément parce que je ne tiens rien. Mais en tout cas, il tient très très bien. Et ça, franchement, je suis ravie. Ensuite, qu'est-ce que je vais piocher? Il y a l'air d'avoir une palette. Alors, moi qui suis dingue de palette. C'est de la marque Bella Pierre. Alors, Bella Pierre, j'ai un bon souvenir de Bella Pierre parce que j'avais testé un pinceau Bella Pierre que j'ai toujours d'ailleurs et un crayon pour les sourcils qui était très bien. Et c'est une marque qui coûte assez cher. Donc, je vais regarder combien ils les vendent parce que Bella Pierre, il me semble que j'avais regardé sur Amazon et ça coûte très cher. Donc, au lieu de 30 euros, c'est 12 euros. Donc, hyper, hyper intéressant. Alors, je vous montre. Donc, on est sur des tonalités. Alors, il y a du froid, il y a du chaud, il y a du mat, il y a de l'irisé. Donc, à tester. Est-ce que c'est pigmenté, la chose? Et ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Je vous montre, mais un bleu nuit, comme ça, il est très, très joli. Alors, par contre, le pinceau, bon, ça n'a pas grand intérêt. Mais ça a l'air bien pigmenté quand même l'histoire. Donc 30 euros au lieu, 12 euros au lieu de 30, hyper hyper intéressant. Donc et je trouve que pour un cadeau ça peut être vachement joli. C'est très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc deux limaons de la marque Axe. Alors deux limaons de la marque Axe, 4 euros normalement dans le commerce et 2,50 euros ici. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Une base de make-up. Oh, que ça m'intéresse. Alors attendez, on va faire un test en direct parce que vous savez que j'aime bien tester les choses. Donc, c'est de la marque Bella Pierre. Encore une fois, c'est vendu normalement 13 euros et là, c'est vendu à 6 euros. Donc, c'est vendu un petit peu comme un pot de anti-cerne. Je ne sais pas si vous verrez bien. À tester, c'est totalement invisible. Donc, mais par contre, ce qui est rigolo, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'avais mis mon highlighter et je l'ai mis par-dessus et ça a totalement gommé l'effet irisé de l'highlighter. Alors, je ne sais pas. À tester également. Tout ce qui est nouveau, enfin tout ce qui est un petit peu original, j'adore tester, donc c'est très bien à tester, de la marque Bella Pierre. Ensuite, je pioche un rouge à lèvres de la marque Note. Alors Note, j'en avais eu dans un swap avec Hélène LC, je crois qu'elle en avait acheté sur Beauté Privée. Et donc là, c'est un joli rouge. Je vais peut-être le swatcher un petit peu pour voir. Il est très crémeux. Hop, il est bien pigmenté, vous voyez, bien pigmenté. Il me semble que j'avais un très bon souvenir de la marque Note, qui était effectivement bien pigmenté. Et là, on est sur des tarifs, donc au lieu de 8 euros, 4 euros, donc 50% de réduction. Franchement, il sent trop, trop, trop bon. Oh, j'adore l'odeur. Attendez, je vais me sentir encore, c'est obligé. Oh, mais il sent trop, trop bon, il est magnifique. Alors ça, franchement... Moi, je suis très sensible aux odeurs. Et alors ça, j'adore. L'odeur de l'huile d'argent, moi, j'en suis complètement dingue, quoi. Ensuite, je vois un vernis Sinful Color. Alors ça, c'est très connu comme marque. C'est le Kylie Matte. Donc, ça a l'air d'être un vernis mat. Très original pour cet hiver. Alors, au lieu de 5 euros, 3,50 euros. Donc, c'est pas cher. Je testerai. Je vous posterai les photos sur Instagram pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais en tout cas, 3,50 euros, c'est pas cher du tout. Alors, un Color Bust de chez Revlon. Donc, c'est un baume lac, comme ceci. Couleur un petit peu rose, rose Barbie. Très jolie couleur. Très, très jolie. Voilà, donc ça, c'est pas du mat. Et, alors, attendez, hop, je suis un peu perdue dans mes petites fiches. En fait, on aurait dû faire sous forme de swap. J'aurais eu tous les infos. Alors, attendez. Hop, donc Color Burst, au lieu de 10 euros, 5 euros. Ah, il a l'air de pas rester ultra brillant. Bon, bah pareil, je testerai. Hein. Donc, 10 euros au lieu de 5 euros, ça c'est bon à savoir. Cette vidéo va durer 3 heures. Ensuite, j'ai de la marque Bourjois un blush crème. Vous savez, c'est sous forme de petits ronds comme ça. Hop, donc c'est la couleur Sweet Cherry.
Et alors, je sais plus combien ça coûte à peu près. Je sais que j'en vendais quand je travaillais en parfumerie des blushs de chez Bourjois. Et normalement, ils sont à 11 euros et là, ils sont à 5 euros. Donc, l'économie est vraiment pas négligeable. Et là, c'est une crème poudre. Donc, en fait, ça a un fini poudré quand on l'applique sur la peau. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Un liner, méga liner feutre. Alors ça tombe très bien, ça me va très bien. Avec une pointe, ah ça j'ai jamais testé par contre. Une pointe feutre comme ça, un peu biseautée. Donc c'est de la marque Bourjois, c'est une tenue 24 heures. Ça m'intrigue, j'ai jamais testé. Je vais peut-être le passer sur ma main. Donc au lieu de 9 euros, 5 euros. Oh la vache, il est vraiment hyper pigmenté quoi. À tester. À tester parce que ça m'intrigue. Il est vraiment hyper pigmenté. Ça me va. Ensuite, je vois des mascaras et ça tombe très très bien. Je suis en panne de mascara. Donc ça me va. Donc on a le L'Oréal Méga Volume Miss Manga. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler. La brosse est très particulière et elle fait un effet un peu... cils collés très caractéristique. Si je trouve une photo, je vous la mettrai. Donc ça, je suis très curieuse de tester parce que je voudrais voir le résultat que ça fait. Normalement, c'est vendu 9,90€ et il est également disponible en waterproof. Et il est à 6,50€ chez Saga. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir le tester parce que c'est vrai que j'ai été réconciliée avec les mascaras L'Oréal il n'y a pas très longtemps. Et j'aimerais bien tester ce mascara. Alors, je viens de piocher un autre mascara qui est de la marque Divage. Le Black Code Maximum Définition Volume Mascara. Et là, regardez-moi cette brosse immense. La texture a l'air bien crémeuse, donc ça pour l'instant c'est un bon point. Et alors, pour vous dire le prix, normalement il est à 10 euros et là chez Saga il est à 6 euros. Alors ça me dit bien d'essayer. Je l'essaierai demain matin, je pense. Ensuite, je pioche un mascara Revlon, donc Extra Lens. Donc ça c'est un mascara, vous avez en fait chez Revlon dans cette forme là. 4 couleurs de mascara qui sont tous disponibles chez Saga. Donc celui-ci c'est le Extra Lens, mais vous avez le volume, le All-in-One et le Définition. Et celui-ci c'est pour allonger, pour des cils bien définis. Donc alors par contre moi c'est vrai que c'est pas forcément la longueur que je recherche parce que mes cils ne sont pas courts. Mais plutôt du volume. Et celui-ci c'est la version waterproof et moi j'aime pas trop le waterproof. Donc je laisserai de côté, mais voilà, c'est vrai que j'aurais voulu tester ces mascaras là, mais bon, voilà, waterproof, je peut-être pour aller en voyage, vous me direz. Je vais le garder de côté, on testera quand même. Ensuite, j'ai un crayon à sourcils de la marque Divage. Crayon à sourcils vendu normalement 7€ et 4€ chez Saga, à tester. Ça, c'est la couleur 1102 pastel. Et vous avez deux autres couleurs et ça a l'air d'être la plus claire. À voir si la couleur me convient. Ensuite, ici, je pioche donc un stylo eyeliner waterproof rétractable. Donc ça me convient totalement parce que j'adore ce style de stylo. C'est la marque ESS. Donc vendu normalement 7,99€ et c'est une exclusivité Saga et il est à 4€ chez Saga. Bah, apparemment c'est waterproof, c'est très longue tenue, c'est bien pigmenté, c'est rétractable. Voilà, donc à tester, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je pioche un vernis à ongles de chez S, pareil. Cette marque-là, je sais pas si vous connaissez. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette marque-ci. Donc, envie de couleur exaltée, de pep sur vos ongles. Les vernis S sont faits pour vous, disponibles dans... Donc, je disais, car mémoire a bloqué, je ne sais pas pourquoi, que le choix va être difficile. Le petit plus, un pinceau physionomiste. Alors là, ça c'est du bon pinceau, bien large, ça j'adore. La couleur a l'air d'être bien pigmentée. Il est très joli. Pas très joli. Ça a l'air d'être une belle laque. Divers coloris présents en magasin. Ça a l'air de bien briller en tout cas. Effet brillant laqué extrême. Donc voilà. Et ensuite, je pioche un L'Oréal Color. Comment s'appelle cela? Donc les Color Rich Mini. Donc vendu normalement 5 euros. Et là, c'est 1,50€. Donc c'est pas cher. Du tout. Et là, j'ai la couleur. La couleur Versailles Gold. À tester, le pinceau est assez large aussi, pas aussi large que l'autre, mais à tester. Après, je suis pas une grande fan de vernis. Ensuite, je passe à la marque Note avec une terracotta.
Alors le packaging est très joli, très... Oh là là, qu'elle est belle. Pouf. Alors par contre, très doré, hein. Oh la vache. Alors attends, hop. Elle est très très belle, mais alors est-ce qu'elle est pas un peu jaune? Par contre, le packaging est sublime. Et vous avez un petit miroir. Mais le packaging est très très joli. Ensuite, je pioche un démaquillant pour les yeux Halo Floral de bleuet et de rose. Voilà, c'est la marque Evoluderm. Ça, j'en ai... Je crois que j'ai eu un gommage il n'y a pas longtemps, Evoluderm. Donc, au lieu de 4 euros, 2 euros à tester. Je crois que j'ai tout ouvert. Ensuite, on m'a mis une petite trousse de la marque Note. Voilà, donc ça, ça sert toujours. Merci beaucoup, c'est très gentil d'y avoir pensé. Et un petit tote bag aux couleurs, enfin avec un dicton et avec la marque Saga Cosmetics. Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Ah, j'adore. J'adore. Très, très sympa. Eh bien, écoutez, j'ai été extrêmement gâtée et je suis ravie parce que c'est que des produits que j'ai hâte de tester. Il y a vraiment des choses que je ne connais pas du tout ou des choses dont j'ai beaucoup entendu parler et que je voulais tester mais que je n'avais pas. Donc, c'est très, très bien. Je suis ravie. Je remercie encore l'ancienne Saga Cosmetics qui a l'air de proposer vraiment des tarifs hyper intéressants. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez un Saga Cosmetics à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous faire surtout la carte parce qu'elle a l'air très intéressante. Vous avez la liste des magasins Saga Cosmetics sur le site de Saga, forcément. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un tour. Quant à moi, donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein